Bonjour, bienvenue dans la boutique Scrap Merveilleux. Aujourd'hui, j'ai plein de nouveautés à vous montrer. C'est vraiment trop joli. Donc, c'est mieux de le voir en vrai. Par exemple, ces nouveautés de chez 6X. Donc, ce sont un jeu de dice avec cœur, petits lapins, fleurs, etc. Vous avez aussi les tamponnages des petits lapins et des sentiments. Donc avec, vous pouvez faire par exemple ces petites cartes avec le bébé lapin et la maman lapin qui la tient dans ses bras. C'est très mignon. Voilà, c'est tout l'ensemble. Vous verrez ça sur la boutique. Plus en détail, vous avez 8 dies et 5 tampons. Et dans le même esprit, pour des fêtes ou autres, vous avez ce dice de fleurs carré avec encore des feuillages et des fleurs à superposer. Vous voyez, ça vous donne ceci. Donc là, c'est chez 6X. Et là, des papillons en nouveauté aussi à superposer. Alors moi, je les ai pris parce qu'ils me plaisaient vraiment beaucoup et je voulais me les commander aussi pour moi. Et là, je m'aperçois en regardant l'intérieur que on a donc 3 jolies dies de papillons. Je vais vous les montrer. Et ensuite, c'est nouveau, hein, ces classeurs d'embossage. Là, c'est waouh, c'est super la classe. Hein, là, waouh. Donc vous mettez votre papier à l'intérieur et vous embossez pour le relief. Et ensuite, on a 3 dies de papillons avec de jolies tailles. Donc on a des parties qui ne sont pas ajourées et des contours et d'autres parties ajourées. Donc là, 3 formes différentes que vous pouvez superposer et également embosser. Vous pouvez faire les deux à la suite et superposer ces 3 tailles de papillons. Alors j'adore les formes différentes, les perforations. Ça, déjà, je sais que je vais les utiliser. Ça me plaît énormément. Donc, vous les avez. Ce sont des nouveautés de chez 6X. Ensuite, chez Dress My Craft. Donc, je vais vous montrer parce qu'ils ont sorti une perforatrice avec des étoiles. Alors, c'est vrai que ça a un certain coût. Bon, comme tous les produits américains. Mais c'est solide, ceci dit. Et regardez, moi, je l'ai prise pour cette jolie bordure d'étoiles. Donc, on a aussi des grands dies. Grand dies étoiles, les motifs sur les papiers bébés avec des étoiles, donc vraiment on est dans le thème. Donc vous avez cette super, elle est souple en plus, elle a l'air vraiment bien. Et avec, et ben il vous offre une boîte de sequins. Voilà, c'était la surprise du chef. Alors ils sont couleur plutôt saumonée, irisée, nacrée, donc ronde, petite ronde, moyenne ronde et des triangles également. Donc voilà, ça c'est le petit cadeau bonus qui est livré donc dans le paquet avec cette perforatrice. Bon, ça je crois ça va être aussi mon petit cadeau. Alors ensuite, j'ai reçu au niveau des sequins et des embellissements, bon, alors chez Picket Fins Studio, alors toujours dans les collections de sequins, regardez, ce sont des abeilles. Donc vous avez des sequins dans les marrons, dans les dorés et toutes ces petites abeilles. Voilà, super. Alors c'est vraiment plus joli en vrai que sur la photo. Là, j'avoue. Ensuite, vous avez des ailes de papillon. Alors là, c'est la grosse boîte. Donc elles sont... c'est vraiment super joli à coller. Ou, alors ça a un aspect un petit peu de gomme. On dirait presque de la pâte chimo, mais en plus mou. Donc ça, vous pouvez les perforer avec la crocodile et faire, j'allais dire, des bijoux, des boucles d'oreilles ou éventuellement, surtout pour le scrap, quoi, hein, décorer, faire des breloques. Donc ça, les dice papillons, les ailes de papillons, vous avez ça. Et sur le même thème des papillons, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Voilà, cette boîte-ci. Donc là, vous avez... les papillons tout petits ici et les sequins fleurs. Alors vous avez aussi des perles de pluie dans les tons un petit peu rose fuchsia. Je voudrais vous montrer plus les papillons, mais comme ils sont plus légers, ils tombent dessous. Regardez, alors c'est pareil, hein, vous les voyez mieux sur la boutique dans le détail de la photo. Alors, ça c'est superbe. Là, cela j'ai craqué parce que pour les bébés, pareil, on a des perles de pluie de la même couleur. Dans les tons bleus, on a des petits nuages rose bleu.
Blanc, je ne sais pas. Il y a des sequins blancs, des sequins transparents argentés. Oui, on a bleu, blanc et rose pour les petits nuages, les sequins de nuages dedans. Et celle-ci, alors là, ça c'est trop choupinou. Alors là, j'adore quoi. C'est l'ours. Alors les têtes d'ourson avec les alvéoles de ruche de miel. Avec ses couleurs cuivrées. C'est trop joli. Là, franchement, on va s'éclater dans la carterie. Vous pouvez les associer aussi avec les alvéoles de miel. Là, c'est super extra. Et là, alors, ils ont fait la boîte de salade de fruits. Alors, c'est plus petit. Il y en a vraiment pas mal dedans. Et là, pareil, pour vos sequins, vos cartes shaker. Trop joli. Alors, oups, là. Attention, ne pas perdre une tranche de pastèque. Ça, c'est adorable. Et alors là, iridescent, les diamants iridescents. Donc là, il y en a plus. Ça fait comme les perles AB Swarovski. Vous voyez? C'est le même principe. Est-ce que c'est perforé, ça? Je pense pas que ce soit perforé. C'est tellement petit. Et peut-être. Je sais pas, il y a un effet. Non. C'est pas perforé. C'est vraiment une forme de diamant. Voilà. C'est pas perforé. C'est pour vos sequins, toujours. Ou collé aussi sur la neige, l'hiver. Oups, j'en ai perdu un. Ça peut aussi être utilisable comme ceci. Alors, ça, c'est pour la nouveauté dans les sequins. J'adore tout ça. C'est très beau. J'ai reçu, puisqu'on est dans les embellissements, la collection Belle Fleur de chez Craft Consortium. Donc, vous avez en 15-15, donc des papiers nacrés, imprimés nacrés aussi, pour certaines pages. Vous avez la planche de tampon botanique Belle Fleur. Et avec, donc, ils ont sorti les charmes de fleurs. Voilà, ils ont une belle taille, hein, vous avez vu. Très, très joli. Alors là, c'est pour les dames qui aiment les fleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Des cardstock. Alors là, c'est la couleur framboise. Framboise, oui, et graphite. Alors graphite, c'est un gris bleu, mais c'est plus bleu que gris. Donc graphite et framboise, regardez, vous pouvez les assortir avec les papiers de Ciao Bella, la nouvelle collection. J'ai également des fonds, des nouveautés de fonds. Couleur laurier de chez Papers for You. Vous les avez aussi en beige. Donc à assortir, ben voyez, ça va très bien avec la collection Ciao Bella. Ça va très bien avec Mamarazzi. Regardez les couleurs. Ça va très bien. Alors en promo en ce moment là pour la fête du scrapbooking jusqu'à ce week-end, vous avez des méga promos dans le rayon des bonnes affaires. Donc depuis ce matin, là vous avez, voyez la collection Once Upon a Time avec les calques, pareil en promo. Eh bien, vous pouvez aussi utiliser les tons beige. Regardez, ça va super bien avec. Alors ça, c'est pour le petit truc. Vous avez donc dans les jolies dentelles, les jolis rubans, vous avez cette collection-ci Chabi qui va très bien avec les fleurs que j'ai utilisées l'autre jour. Alors regardez la couleur laurier, un peu vert de gris. Vous voyez, ça va très bien avec. Et là, dans la même collection, j'ai pris les fleurs un petit peu plus grosses avec les feuilles. C'est la même collection, donc les mêmes teintes, mais des tailles de fleurs un petit peu plus grosses. Ceci dit, la taille est pas très grande, elles sont très jolies, facilement plaçables, on va dire. Donc ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai plein plein de choses. J'ai du papier, des feuilles de mousse de chez Léane Créative pour faire des fleurs. Alors à découper avec vos dies ou même des papillons, vous pouvez faire. Vous pouvez les chauffer un petit peu au pistolet en bossage ou au fer à repasser. Et elles sont assez fines pour faire des fleurs. Là, c'est la couleur blanc uniquement. Sinon, vous avez des couleurs pastel. La nouvelle collection de chez Crafter Compagnon en ce moment dans la boutique. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, une petite merveille de chez Santoro. Alors là, si vous voulez faire un cadeau, c'est vraiment, j'allais dire, énorme. Regardez, les gorgeuses. Alors, des petites médailles comme ça, des petits charmes en métal signés. Pour cette petite carte. Et en fait, le tissu est pailleté. Et dedans, vous avez donc trois espaces différents.
Donc vous avez un premier espace, alors c'est fleur de cerisier le modèle que j'ai choisi. Donc dedans vous avez l'équerre, rapporteur et la règle. Vous avez trois stylos, une gomme, un crayon à papier, un taille crayon. Donc dans cette partie là, dans la deuxième partie, c'est vraiment très très joli, hein. Dans la deuxième partie, alors là c'est waouh, c'est tous les crayons de couleur. Et dans la troisième partie, moi je pensais qu'elle était livrée vide. Et en fait non, là vous avez, j'ouvre à fond, tous les stylos feutres. Regardez un petit peu si c'est joli. Là, si vous avez un cadeau à faire ou à vous faire, eh bien c'est un bel article, on va dire. Bon, j'en ai pris qu'un, hein, parce que c'est pas donné quand même. Je sais que c'est pas dans les budgets pour tout le monde, mais vraiment un cadeau d'anniversaire, cadeau de voilà, cadeau pour faire plaisir quoi. C'est vraiment magnifique ça. Ou se faire plaisir. Quoi d'autre? Si j'ai reçu alors deux collections de papier que je vais vous montrer dans une vidéo à part, parce que il faut que je défasse toutes les feuilles. Donc ça c'est Studio Light, une collection bébé, et chez Reprint, donc il y a toujours cette collection des petits vêtements bébé, premiers vêtements dans cette collection là et du coup ils ont sorti des fonds. Alors je voulais vous les montrer parce que c'est très intéressant. C'est la couleur vert de gris justement qui est en rupture en ce moment. Et là vous avez 5 couleurs, 10 feuilles, donc 2 pages de chaque. Donc je vous les montre après avec la vidéo de ces papiers là parce qu'apparemment les couleurs vont aussi super bien avec. Regardez, ça va avec les fleurs. Vous pouvez les assortir avec plein de choses, ainsi que les laines de chez Rico, les bubbles créatives que j'utilise alors pour faire des éponges pour le corps, vous les faites au crochet ou au tricot, pour le corps ou pour la vaisselle, c'est très écolo. Après vous pouvez les passer au lave-linge et laver votre vaisselle avec aussi. Et vous avez des livres de modèles dans la boutique, et moi je les utilise, vous voyez, pour faire des à la place de la twine. Regardez, on est bien avec toutes ces couleurs. Donc voilà, je voulais vous montrer, vous faire un petit rappel sur ce produit-là. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard pour vous montrer ces produits-là. Cette collection de papier, peut-être demain matin. En tout cas, pour l'instant, pour ce soir, je vous laisse avec cette vidéo. Le live de tout à l'heure a un petit peu bugué. Il y a eu des problèmes de connexion sur YouTube. Donc la première partie de l'album Shabby Chic a été faite en 2 petites vidéos que vous avez en replay, toujours sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à profiter des offres. C'est jusqu'à la fin des stocks, en fait. Donc, premier arrivé, premier servi. Voilà, j'ai mis plein de choses en promo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci.